Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Cattle and Crops. Et par rapport à ce que je disais la dernière, et ben non, c'est pas l'ensilage, on va tout simplement nourrir les animaux. Donc on va enfourcher, on va chausser le front loader et on va remplir donc la mélangeuse. Alors il suffit de trouver en fait le front loader, je sais pas où il est, alors on va suivre le GPS. Non, ça va être par là, voilà, ne te trompe pas, il est là. Donc on va simplement se caler ici tranquillement, on va prendre le grappin, hop, on va, hop, t'excite pas mon Jeannot, t'inquiète pas, allez, ça va le faire, on y va, on se refout en quatrième, ça pourrait être bien. On va attacher ça, le fourche, voilà, et il faut juste que je me souvienne comment ça se passait. On monte, on descend. Ok, on va attacher le Vertimix. Ouais, on va aller chercher le Vertimix. Regardez si c'est pas beau ça. Par contre, d'accord, ça c'était le godet. Ça c'était. Et comment on ouvrait la gueule du truc là? Ça, ça monte, ça, ça descend, ça, ça tourne. Ok. Alors je sais plus comment on fait. On va voir. On va voir, on va voir. On va se caler devant le Vertimix qu'on avait. Alors je sais pas si je vais montrer cette, la première mission, je crois. Il faut le ramener tout simplement depuis le garage. Allez, on va l'attacher. Ça, c'est un peu pour les débiles. Là. Il suffit quand même de... Voilà, ok, là, on est bien. On va donc au close to silage. Draft close to silage silo. Donc, de toute façon, le silo, il est derrière. C'est pas trop compliqué. Ça commence à être le bordel. Regardez, le déchaumeur, il a été posé là. Comme une merde. Ah oui, c'était avec les touches. Normalement, voilà, avec les touches, hop, ça ouvre le bec. Donc ce que j'avais fait moi personnellement, j'avais normalement laissé ça à peu près ici, voilà, ben, de toute façon ils te le disent, il n'y a rien à inventer, on va le laisser là, on va simplement le détacher, alors ça c'est classe, et ça c'est le Vertimix, normalement on est bien, ok, allez, ensuite on va commencer à charger, et on va voir ce que ça peut donner. Donc là, ça a l'air de remplir, c'est déjà pas mal. Et on va le tourner dans le bon sens. Voilà. Ok, allez. Et ben on va s'amuser avec... Non. Avec les vitesses. Normalement, on le monte comme ça. On va essayer de pas tout se vider sur le coin de la gueule. Et on va donc remplir notre Vertimix pour ensuite aller tout bêtement nourrir nos taureaux. Puisque pour l'instant, on a des bulles. Est-ce que vous connaissez les bulles? Voilà. Normalement, on fait comme ça. Et on devrait vider. Alors, reste en haut. Oulala, qu'est-ce que ça va donner? Et ça a l'air de remplir. Ouf! Oh la collision! Vous avez vu comme ça a fait? Bon, c'est encore pas tout à fait au point ça, hein. Bon, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va pas leur en vouloir. On l'a déjà dit. Non, alors hop. Putain, entre les vitesses, les machins, putain, ça va être folklorique, je sens cette vidéo. On va pas s'en sortir. Les machins qui sont complètement inversés. Ça fait deux trucs à la fois, mais tout va bien. Allez, hop, hop, hop. Vas-y, descend, descend, bijou. Voilà, non, il faut faire comme ça, comme ça. Pff, oh, ça va être tendu, tendu du string, tendu du slip. Bonjour, monsieur, dame, laissez passer, le savoyard est dans la place. Voilà, normalement, ça devrait remplir. Ok, allez, on lève. Ok, ça a l'air pas mal comme ça. À chaque fois, je me fais avoir avec les vitesses. Descends à droite, monte à gauche. C'est pas compliqué pourtant, mais pour l'instant, c'est encore un peu merdique. Alors, on pourrait à chaque fois fermer la griffe. Hein. Bon, on va se passer de ça. Si vous êtes d'accord, on va pas le faire trop IRL, on va pas trop s'approcher. Alors à mon avis, ça va être le même bordel que tout à l'heure. Je crois pas qu'on puisse en mettre à côté. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est une bonne nouvelle pour moi, on ne peut pas en mettre à côté du Vertimix. Allez, hop, on y retourne. Hop, 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 hop. Et par contre, la sensibilité est pas terrible, je sais pas. Je sais pas, c'est un peu bizarre, il n'y a pas de... Il y a un délai entre le moment où on baisse. Alors ça c'est bon. Hop, on monte. Non. Ah bah voilà, c'est ce que je racontais. Ça fait deux trucs à la fois. C'est un peu bizarre. C'est un peu relou. C'est un peu chelou. Voilà. Allez. Bon, on n'aura pas tout, mais c'est pas grave. On n'a pas l'intégralité du godet, mais on va pas se prendre la tête pendant deux heures avec ça. On va essayer de charger. Je pense que de toute façon, si mes souvenirs sont pas trop mauvais, on pouvait... Voilà, alors monte, vide, arrête-toi, voilà, c'est mieux, ça a l'air d'être bon, impeccable, tout va bien, on se passe la marche arrière et on y retourne. Bon, à force, on va commencer à être pas mauvais, hein, c'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Le problème, c'est que j'ai l'habitude avec Farming de certaines commandes avec les pédales,
là. Là, on est plutôt pas mal. On a rempli. On a rempli. On a tourné. On a monté. Oh, ça commence à devenir professionnel tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous mettrez dans les commentaires. Au quatrième essai, on est plutôt pas mal. Par contre, il y a des trucs qui à l'intérieur des roues. C'est bizarre. Quand on est un peu loin comme ça, ça fait une espèce de quadrillage. C'est un peu chelou. Bon, c'est pas très grave. On fera avec aussi. Voilà, hop, on est bien. Alors, normalement. Le problème, c'est. Oh, et tout. Je lui demande pas de baisser. Ça a baissé. Ah, je lui demande pas de baisser le bras. Et il me baisse quand même le bras. Bon. Ouais, ouais. Ça, c'est encore, encore perfectible. Ça, c'est vraiment encore vraiment très, très perfectible. Et on peut pas, non, avec les manettes. Enfin, avec les touches, non, on est obligé de se taper ça à la souris. Pourtant, la souris, ça me dérange pas sur farming, vraiment. Ça ne me pose aucun souci. Léon en a perdu un peu, mais c'est normal parce que j'avais pas tout à fait le godet bien en place. Bon, normalement, il n'y a pas besoin de. Voilà, de toute façon, on voit le taux de remplissage du Vertimix. Hop. Ah, je vais m'arrêter là. Voilà, on va lancer un chouïa. Hop, m'arrêter là. Et sans. Voilà, ben, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin de se faire chier. Voilà. Allez, on y retourne dans l'autre sens. On enquille les vitesses. On baisse. On lève. On baisse. Voilà. Et là, on devrait être pas mal pour normalement charger tout ça. Voilà. Allez, rempli en plein. Ça m'arrangerait. On retourne. On lève. Ça commence à devenir professionnel. Vraiment professionnel. Allez, encore un, deux, voire trois godets. Et on devrait être pas mal, je pense. Allez, hop, on va faire comme ça. On n'a pas besoin de s'avancer comme un bourrin. Voilà, on a juste à faire comme ça. Et bien, encore, j'ai envie de dire, encore un. Ouais. Ah, on retrouve le petit tic de langage. C'est vrai que quand on est tout seul, c'est un petit peu particulier. Il n'y a pas le patou, là. On peut pas faire du multi. Salut mon patou. J'ai envie de te dire, tip top, hein, les tics de langage que j'avais à l'époque. Et qu'on me faisait remarquer, bien évidemment. Hein. Mais c'est complètement compréhensible. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je m'en rendais compte moi-même quand je le disais, donc comme ça au moins on était tranquille. Voilà, un bon godet bien plein d'ensilage. Alors texture ensilage là dans le silo pas énorme, ici pas trop mal j'ai envie de dire. Le remplissage, le fil plein du godet est pas vilain, hein, si on dit, me semble-t-il qu'on dit comme ça le fil plein. Mais sinon voilà, c'est après ça revient à une espèce de verre tout chelou là-dedans. Non, 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 c'est pas ça que je veux faire, je veux juste, voilà, s'il te plaît, que tu remplisses mon Vertimix, voilà, allez, ça c'est bon, on est impeccable, allez, donc on va aller maintenant vider, tout bêtement, on va refermer la griffe qu'on aurait pu, voilà, tac, ah ben j'en avais encore, arrête, voilà, ça s'arrête pas, c'est ça qui est un peu relou, c'est que ça s'arrête pas vraiment, c'est pas très, très, très au point, voilà, allez, on va rattacher ça. Voilà, on va passer tranquillement ici. On peut mettre les gyros, bien évidemment. Ils sont pas terribles les gyros, ça fait un peu discothèque, hein, donc c'est pour ça que je les mets pas trop souvent. Alors 1, 2, 3, 4, vraiment le tracteur part pas. À partir de la 5e et la 6e, là, ça commence à engager un petit peu. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller vider. Je voulais préparer la pique. Attention au petit chat. Que ça se passe bien, on va réduire les vitesses. Non, j'ai dit réduire, pas augmenter. Voilà, on va se placer tout bêtement. On va enlever les gyros. Parce que vraiment, à l'intérieur, ça va faire discothèque. Et donc, tout simplement, il faut qu'on sélectionne ici. Non, il n'y a rien à sélectionner. Activate the Vertimix. J'ai activé le Vertimix. Je suis à l'intérieur, ça marche. Je sélecte. Ben non, je sélecte toujours pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il faut. Oh, j'ai pas fait. J'ai anticipé les actions. Qu'est-ce qu'il fait exactement? On a des solides chaff, maïs. Il est en train de. À mon avis, il est en train de brasser. On va retourner quand même là, à l'entrée, parce que j'ai l'impression que. Il a pas aimé que j'aille trop vite, vu que j'ai déjà fait la mission. En fait, c'est ça l'idée. Voilà, ok. Donc c'est bien ça, il a pas aimé. Et avec le U, on va pouvoir commencer. Open info panel, je m'en fous. On va commencer à pouvoir. Ah, enfin commencer à pouvoir vider. Donc normalement, regardez. Ça va arriver. Eh, c'est chier, c'est la caméra. Donc on a le.
Le maïs qui arrive. Putain, mais il a une sacrée tête de vieux. Il a changé la tête là, non? Il avait pas cette tête là avant. Allez, regardez, ça remplit. Donc il suffit de passer doucement. Ça remplit pour chaque Barnes. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 5 taureaux. C'est un paquet là-dedans. On est bien. Avec Alt, je sais pas pourquoi il veut me faire ouvrir. Ah, d'accord. Ouais, ça a changé ça. J'avais pas ça la dernière fois. Ok, d'accord. Bon. Là, on est bien. On va leur filer à bouffer à tous, hein, pendant qu'on y est. Donc avec Alt, en fait, Alt gauche, vous avez les informations. Regardez, ça remplit, hop, lui il est plein. Lui il va être plein, donc on en met uniquement là où vous avez des animaux, hein. Voilà, après la caméra, une fois que vous êtes à l'extérieur, c'est la fin. Il sait plus où il en est. Eh d'accord, d'accord, ça il me semble que ça y était pas, voilà, tout simplement. Et normalement on a des... ici encore des derniers. On est pas mal, voilà, on a vidé tranquillement notre ensilage, c'est fait, on a rempli les objectifs de la mission, c'est tout bien, c'est tout bon, on va sortir. Alors comment je fais pour sortir si je veux juste sortir, voilà, ok, il va m'envoyer les données. Et bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo Cattle & Crops. Aujourd'hui c'était l'activité, on nourrit les animaux, on charge un petit peu avec le bras. Pas terrible, pas évident, un peu compliqué à mon goût en tout cas, je trouve que c'est encore pas tout à fait au point. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu, et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur Cattle & Crops. Ciao, bye bye.